vivre. Et voilà, donc c'est pas toujours facile. Voilà, avec les appareils technologiques, vous savez, hein, donc il y a beaucoup d'imperfections. Seul Dieu est parfait, seul Dieu est tout-puissant et saint. Merci pour votre compréhension et nous sommes bel et bien direct sur TV et Radio de Vie et nous continuons notre enseignement hein, de cette semaine sur le retour de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, papa, et nous voulons t'honorer en toutes choses, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les épreuves, Seigneur, auxquelles tu nous soumets. Nous voulons te dire merci pour toutes ces âmes, Seigneur, que tu libères dans les nations par ta parole. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, du côté technique, est-ce qu'on peut régler un peu le son du retour, parce qu'il y a de l'arsène. Voilà. Que Dieu soit béni. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, mes sœurs, quoi de neuf? Ça va, par la grâce du Seigneur. D'accord. Et comment ça se passe votre vie chrétienne, votre marche chrétienne avec le Seigneur? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces jeunes sœurs justement qui sont là, qui sont connectées, et qui aiment le Seigneur, qui le cherchent, qui le désirent? Moi, personnellement, j'aimerais leur dire qu'il faut s'accrocher, parce que c'est pas tous les jours facile, surtout. Enfin, surtout, étant donné qu'on est jeune, il y a beaucoup de les passions de la jeunesse, hein. Tout ce qui est les musiques, les ambiances, les copines, les copains, éventuellement. Et faut s'accrocher, faut à chaque fois remettre dans la tête que notre objectif, c'est le ciel et que toutes ces choses passeront. Même si c'est difficile, la sanctification, c'est pas facile. Mais Dieu fait grâce et il pourvoit. Donc voilà. Tu aimais beaucoup la musique profane? Ouais, vraiment D'accord. beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Il t'a libéré de là, en tout cas. Amen. T'as sorti de cette prison et merci Seigneur. Pasteur Willy, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ben, par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia. Il y a des Ouais. frères et sœurs de la Réunion qui sont connectés ce soir. Certainement. Certainement, oui. Et ben, je tiens aussi à les saluer, à les encourager par rapport au temps où nous sommes, vraiment à les tenir fermes, comme notre Seigneur revient bientôt nous chercher et des s'attacher toujours à la parole. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Bon Dieu bénisote vous tous qui nous suivez depuis la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et la Guyane. On y sera le mois prochain, n'est-ce pas? À partir du 9 avril, une mission aura bel et bien lieu aux Antilles, parce que beaucoup voulaient avoir des précisions. Ne vous inquiétez pas, on mettra toutes les informations sur nos sites. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc ce soir, nous continuons bien sûr l'enseignement sur le retour de Yeshua. Hier, on a parlé des trois arbres qui sont, comment dire, très symboliques, hein, qui représentent Israël. Et ce soir, nous allons parler sur, bien sûr, le retour du Seigneur, mais sous un autre aspect. Nous parlerons justement de sept sceaux. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, voilà. Donc, Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 24, à partir du verset premier. Voilà. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Voilà. Donc, les apôtres, bien sûr, voulaient connaître les événements, donc, qui sont censés avoir lieu avant le retour de Yeshua. Et Yeshua, bien sûr, le Seigneur va leur donner plusieurs signes et nous allons voir justement ces signes avec l'ouverture des sept sceaux, justement dans Apocalypse chapitre, on va d'abord prendre Apocalypse chapitre 4. Voilà. Apocalypse chapitre 4. Alors, vous savez que, ça vous le savez, que le livre d'Apocalypse est un livre rempli de révélation. Donc, le mot apocalypse signifie simplement le dévoilement. Voilà. Donc, action de dévoiler, action de manifester les choses cachées.
Donc, c'est justement l'objectif de ce livre. Dieu, n'est-ce pas, l'a inspiré pour que les choses cachées soient révélées. Révélées, justement, à ses enfants. Donc, voilà, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Nous lisons juste, n'est-ce pas, et le verset premier. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Voilà, Jean faisait partie des 12 apôtres qui avaient posé la question au Seigneur, dis-nous. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Voilà, nous sommes, je vais juste lire un autre passage, hein, donc dans Marc chapitre 13. Voilà, nous allons beaucoup lire. Voilà, alors, nous sommes dans Marc chapitre 13, à partir du verset premier. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Jésus répondant lui dit, Vois-tu ces grands bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démolie. Comme il s'assit sur le montagne des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en particulier, disant, Dis-nous, quand ces choses arriveront et quel signe, n'est-ce pas, il y aura quand toutes ces choses devront s'accomplir. Donc nous apprenons ici en fait que c'était ces quatre apôtres qui, n'est-ce pas, avaient demandé au Seigneur de leur révéler les signes qui devaient avoir lieu avant son retour. Et comme vous l'avez compris, Jean faisait partie de ces quatre apôtres. Et voilà pourquoi aussi, mes amis, Yeshua dans Apocalypse 4 ici, il s'est manifesté à Jean et il a invité au ciel. Il lui dit, viens, je te montrerai les choses qui doivent arriver, qui vont arriver dans l'avenir. Parce que, en fait, ici, le Seigneur répondait à la demande, à la question de Jean. Il voulait connaître l'avenir, il voulait connaître les choses qui allaient arriver. Et Jean arrive au ciel, effectivement, et là, tac, Dieu lui ouvre les yeux et il va recevoir plein, 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 plein de révélations concernant justement la fin de temps, notre époque, justement. Et nous sommes, avant de lire les sept sceaux, hein, donc, il faut d'abord que nous lisions au moins deux passages pour comprendre pourquoi l'ouverture de sept sceaux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Voilà, Apocalypse chapitre 5. D'abord, Apocalypse 4, pardon. Quand Jean arrive au ciel, qu'est-ce qu'il va voir? Et il dit au verset 6. Apocalypse 4, 6, et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier animal était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un veau. Le troisième animal avait la face comme un homme. Et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et tout autour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessent pas de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et on nous dit au verset, au chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui criait à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda,
de la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sceaux. Et je regardais, et voici, il y avait là, au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voilà. Et donc, Yeshua vient justement prendre un livre qui était scellé de sept sceaux. Alors, nous savons tous que le chiffre 7 dans les Écritures nous parle de quelque chose d'absolu. C'est-à-dire les sept sceaux hein, qui étaient utilisés pour sceller ce livre voulaient simplement nous dire que ce livre-là était tellement scellé qu'aucun homme ne pouvait l'ouvrir, si ce n'est Dieu lui-même. Ce livre était parfaitement scellé et impossible il était impossible aux hommes, n'est-ce pas, ordinaires, de pouvoir l'ouvrir pour connaître l'avenir. C'est-à-dire même le diable ne pouvait pas connaître l'avenir sans l'ouverture de ce livre-là. C'est-à-dire dans ce livre-là était caché l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est terrible. D'accord? Donc, c'est le livre dans lequel était consigné tout le futur de l'homme, le devenir de l'homme. Et quel était ce livre-là, justement? Eh bien, il y a un autre prophète, ça vous le savez, dans la Bible, qui avait reçu ce livre-là, qui voulait l'ouvrir. Et on lui a dit, non, non, non. En fait, qui a scellé ce livre-là? C'est un prophète, n'est-ce pas? Le prophète Daniel. Nous sommes dans Daniel 12. Alléluia, gloire à Dieu. Et Daniel 12, le prophète avait reçu des grandes révélations. Et rappelez-vous bien que Daniel, mes amis, est un prophète qui avait reçu les clés concernant la fin de temps, concernant les événements de la fin de temps. Donc, si vous voulez connaître la fin de temps, vous avez aussi, vous devez également lire Daniel. C'est important. Nous sommes dans Daniel chapitre 12, voilà. Et au verset 4, « Mais toi, Daniel, ferme ces paroles. Ferme ces paroles. Et seul le livre jusqu'au temps de la fin. » N'est-ce pas? « Et toi, Daniel, ferme, n'est-ce pas, ces paroles et seul le livre jusqu'au temps de la fin. » Donc c'est un livre qui ne pouvait être ouvert qu'au temps de la fin. Et c'est Daniel qui l'a scellé. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il avait reçu beaucoup de révélations, Daniel. Il a vu ce que Jean a vu. Et il voulait les écrire. On lui dit, non, scelle tout ça. Garde tout ça pour toi. Car le temps n'est pas encore arrivé. Et regardez au verset, n'est-ce pas? Et au verset 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ces paroles seront tenues close et scellé jusqu'au temps de la fin. Et ce livre qui était scellé, bien sûr, c'est le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi, mes amis, le livre de Daniel est sous-jacent au livre d'Apocalypse. Alléluia. Donc, Daniel est celui qui avait scellé ce livre-là. Alors, comme Jean voulait connaître justement les événements, les signes, n'est-ce pas, manifestes du retour de Yeshua, eh ben, il a eu le privilège, justement, d'être invité au ciel. Alléluia. Pour, justement, assister à l'ouverture du livre scellé par Daniel. Et quand il arrive au ciel, Jean, n'est-ce pas, va beaucoup pleurer. Il est au ciel, hein. Et il pleure. Il pleure parce que il a compris que il ne pouvait pas accéder au futur. Il ne pouvait pas voyager dans le temps pour avoir les informations indispensables à notre salut afin de nous prévenir sur le retour éventuel de Yeshua. Et Jean pleure parce que le livre ne pouvait pas être, n'est-ce pas, ouvert. Alors, il pleure et un des vieillards, un des anciens va le voir pour lui dire, mais pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Voilà, il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu et c'est lui seul qui est digne d'ouvrir le livre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous voulez connaître votre avenir, une parenthèse, n'allez pas consulter les marabouts, les prophètes, les voyants. N'allez pas voir les apôtres, même moi qui vous parle. Allez voir directement celui qui est digne d'ouvrir le livre, celui qui a ouvert ce livre-là. Celui qui l'a fait sceller par son prophète et qui l'a ouvert lui-même. Allez vers lui.
Amen. C'est Yeshua qui a la clé de toute chose. Alléluia. Alors Jean pleure et on le rassure pour lui dire, mais ne pleure pas parce que justement le lion de Juda va pouvoir ouvrir ce livre. Et il a vu au milieu du trône un agneau qui était là, égorgé. N'est-ce pas? Égorgé. Donc au ciel, Yeshua a encore son sang sur lui. Du sang parce qu'il y a, la marque de ce qu'il a vécu sur terre, mes amis, pour notre rédemption. C'est magnifique. Et Jean voit ces marques-là sur lui. Agneau égorgé, agneau immolé, il était là, et il vient, et il a pris ce livre-là. Il prend ce livre, et il va rompre les sept sceaux. Enfin, on pouvait accéder aux événements, n'est-ce pas, relatifs au retour de Yeshua. Amen. On pouvait accéder aux informations Amen. Qui nous sont indispensables. Amen. Alléluia, gloire Amen. À Dieu. Donc la Bible est le seul livre qui donne des détails Amen. Sur le futur de l'humanité. Amen. C'est le seul livre, mes amis, qui nous détaille même la manière dont Satan va finir. Donc si Satan est déjà, si sa fin est tellement est bien décrite dans la Bible, alors pourquoi le suivre? Nous savons que c'est un esprit qui a déjà échoué. Nous savons qu'il va faire de la prison pendant 1000 ans. Ouais. Alors pourquoi le servir? Sorcier, venez vers Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, on a déjà, dans la Bible, l'échec de Satan est déjà, mes amis, révélé. L'échec, n'est-ce pas, des sorciers, des démons. Alors, frères et sœurs, et mon Dieu, nous sommes dans, justement, Apocalypse chapitre 6. Donc, on a compris que ce livre est celui que Daniel avait scellé. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardais. Vous voyez, Jean voulait regarder, il voulait comprendre, il voulait voir. C'était ça, là. Il était curieux. Et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait comme avec une voix de tonnerre. Viens et vois. C'est-à-dire, on invite Jean encore à venir et de voir, pour voir. Viens et vois. Et il dit, je regardais. Donc, vous voyez, hein, il est curieux. Il veut à tout prix voir. Il faut que je sache ce qui se passe. Vous savez, quand on reçoit une vision, quand on dort la nuit, on veut tous les détails. On veut, voilà, on va zoomer. Et là, Jean est en train de zoomer. Vous voyez, il regarde et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc et il lui fut donné une couronne. Et il sortit en vainqueur. Pour vaincre. Voilà un des signes que Jean reçoit concernant le retour de Yeshua. Il a vu, n'est-ce pas, cet être qui est, n'est-ce pas, ce cavalier. Hein, donc on voit ce cavalier aussi, hein, il y a aussi des cavaliers dans Zacharie. Il voit ce premier cavalier qui sort et qui part pour vaincre. Et on lui a donné hein, le pouvoir de vaincre. De vaincre quoi? De vaincre qui? Bien sûr, il est question de vaincre les hommes. Alors, allons voir rapidement dans Apocalypse chapitre 13. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous lire Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 7, même jusqu'au verset 10. Voilà. Est-ce que c'est allumé? C'est bon, c'est parfait. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux des ours. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent aussi la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre.
et il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? On nous dit que cet animal-là, cette bête, justement, a reçu l'autorité, a reçu le pouvoir de, n'est-ce pas, combattre, de livrer une guerre contre les chrétiens, contre les saints, contre les juifs également, et de les vaincre, nous dit la parole. Et ça, c'est terrible. Et voilà pourquoi, justement, le premier cavalier ici part en vainqueur, pour vaincre. Voilà. Donc, il est question ici, bien sûr, de l'homme impie. Hein, donc, de l'homme impie, parce qu'il n'est pas question de Yeshua ici. Mmh. Il est question de l'homme impie. C'est-à-dire, l'homme impie va être lâché par Dieu lui-même. Parce que c'est, bah oui, parce que Dieu est celui qui gère tout. Amen. Satan ne peut pas intervenir sans la permission du Seigneur. Amen. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas lui qui gère, c'est Dieu qui gère. Amen. Donc, voilà. Donc, on voit le premier cavalier ici, c'est l'antéchrist qui part en vainqueur et qui va combattre les chrétiens. Donc, un des signes concernant le retour de Yeshua, c'est, n'est-ce pas, l'organisation de l'antéchrist. C'est la mise en place du gouvernement de l'antéchrist. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre, frères et sœurs. Et on y est, avec l'ONU et ses agences, on y est depuis des années, comme vous le savez, mes amis. D'accord? Voilà. Donc, le système de l'antéchrist est déjà là, est mis en place depuis, nous sommes dans le quatrième empire. Et donc, nous sommes dans Daniel chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar, hein, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Et c'est cette statue-là, justement, de Daniel 2 qui est reconstruite aujourd'hui. Et c'est également les quatre animaux de Daniel chapitre 7. C'est-à-dire le lion, Babylone, l'ours, les Mèdes et les Perses, le léopard, la Grèce, et le quatrième animal, c'est-à-dire l'Empire romain. Voilà. Et Jean, comment Daniel, dans Daniel chapitre 7, disait au verset 9, je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés. N'est-ce pas? Et il dit que le quatrième animal était extraordinairement fort. Et regardez, et mes amis, il nous dit que cette bête, cet animal, allait combattre les saints et les vaincre. Les vaincre. Regardez au verset 24. Voilà. Donc, et on nous dit, mes amis, au verset 19, Daniel 7, 19. Alors, je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait à ses pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête et sur l'autre corne qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombées sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance. C'est vrai, on retrouve après ces 13 là. Et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux. Vous voyez? C'est terrible. Donc on retrouve ici Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, pardon. Donc voyez bien que le livre scellé par Daniel est bel et bien le livre d'Apocalypse. Parce qu'on retrouve les mêmes prophéties, les mêmes symboliques, mes amis, et voilà. Et les mêmes personnages, hein. Donc tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Donc on retrouve cette bête là justement, ce cavalier, le premier cavalier que nous voyons par rapport au retour de Yeshua, un des premiers signes, c'est la mise en place de l'homme impie. Et d'ailleurs, Yeshua dit dans Matthieu 24, au verset 15, aux apôtres, il disait également à nous autres, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète fasse attention. Et bien sûr, l'abomination de la désolation dans le lieu saint, n'est-ce pas, nous parle justement du gouvernement de l'antéchrist, du temple qui va être souillé par l'antéchrist, mes amis. Et on y est. Donc, voyez bien que Yeshua nous enseigne
avant le retour, avant son retour, avant l'enlèvement de l'église, l'homme impie doit d'abord établir son gouvernement et son royaume. Et l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, hein, est-ce qu'on peut le lire là? 2 Thessaloniciens chapitre 2, d'accord? Là, nous sommes dans l'enseignement sur le retour de Yeshua et nous parlons d'abord de l'établissement, n'est-ce pas, du gouvernement de l'homme impie. Et c'est ce que les Écritures nous apprennent, hein. Nous apprennent, et nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, donc c'est la page 1091, voilà. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre entendement, ni troublé par une inspiration ou par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut, c'est un préalable, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce que le retient afin qu'il le soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé. Révélé le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie. Donc il y a deux avènements, celui du Seigneur et celui de l'homme impie. Mais le premier avènement, ce sera l'avènement de l'homme impie. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés, qui ont pris plaisir à l'iniquité soient condamnés. Voyez, frères et sœurs, Paul dit aux chrétiens de Thessalonique que l'enlèvement de l'église, notre réunion en lui, ça c'est l'enlèvement. Notre réunion, donc il parle de notre réunion, donc c'est l'église, n'est-ce pas? La réunion de l'église en Christ. Donc voilà, quand on sera ravi au ciel, enlevé au ciel. Et Paul dit avant justement l'enlèvement, avant l'avènement physique, c'est-à-dire le retour de Yeshua sur terre avec l'église pour, n'est-ce pas, juger les nations, mettre en place son gouvernement terrestre, restaurer Israël, avant ces choses, il faut, n'est-ce pas, que l'homme impie soit, n'est-ce pas, manifesté, révélé. C'est un préalable. Et on y est, mes amis, on y est. Ne me demandez pas, frère, ce qu'est l'homme impie. Priez, Dieu vous montrera. On y est, frère, son système est en place depuis des années. Mais l'homme impie est là. Il n'y a qu'à voir, mes amis, l'état de nos pays, de nos églises, aujourd'hui, pour comprendre que l'homme impie est celui qui contrôle la majorité des églises, de dénominations. Toutes les dénominations, déjà, sont sous son pouvoir. Voilà. Donc voilà le premier cavalier qui sort. C'est très significatif. Le premier signe qui sort, Jean a vu, hein, l'a vu. C'est l'homme impie et il part en vainqueur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus une grande persécution contre les vrais chrétiens dans le monde entier. Et effectivement, avec des lois de plus en plus impies, antichristes qui sont votées, eh ben l'homme du péché, c'est l'homme sans loi. L'antichrist, c'est ça son nom véritable. C'est l'homme sans loi. Voilà, donc c'est un homme, c'est un dictateur, c'est l'homme du péché, c'est l'homme du péché, c'est le méchant. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, justement, chapitre 11, quand lorsque le méchant viendra, l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas, et quand il viendra comme un fleuve, l'esprit de Yeshua le mettra en fuite. Nous sommes dans Ésaïe, je crois que 59, et sinon, dans Ésaïe chapitre 11, il est dit que le Seigneur détruira le méchant par le souffle de sa bouche, par son esprit. Voilà. Donc, voyez bien, frères et sœurs, que les temps sont vraiment difficiles. L'homme impie, le méchant, se met en place, son système, son gouvernement, et on y est, le quatrième empire, la statue de Nebuchadnezzar est complètement reconstituée, reconstruite, mise en place, avec le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, hein, ces signes sont là. Voilà pourquoi de plus en plus vous entendrez parler des, n'est-ce pas, fusions, des pays,
des fusions des multinationales, des banques, des fusions de grands groupes, voyez. Donc, parce que le monde est devenu un petit village. Il n'y a plus de frontières pratiquement. Voilà. Donc, on y est, le quatrième cavalier. Et il part en vainqueur. Dieu lui a donné ce temps-là. Et c'est pour cela que les vrais chrétiens doivent comprendre que la persécution, frères et sœurs, la persécution va s'intensifier contre nous, contre eux. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier cavalier, l'homme impie. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va pas forcément rentrer dans les détails. On veut, vous savez, c'est vrai qu'en une soirée, en une semaine, on pourra pas déjà développer les 7 sauts. Il faut des mois et des mois. Et voilà. Donc, le gouvernement de l'impie est déjà là. Mais je pense qu'on aura toute une soirée ou toute une semaine pour parler de ce premier cavalier. Et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Parce que je veux plutôt m'attarder sur les autres sceaux. Et toujours dans Apocalypse chapitre 6. Regardez le deuxième sceau. Et au verset 3. Et donc, voyez, le premier cavalier, il a un cheval blanc. Vous voyez la séduction? L'ennemi qui se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Voilà. C'est terrible, hein? Donc, parce que Satan sait que les chrétiens peuvent facilement être séduits s'il vient avec une apparence pieuse. Voilà. L'apparence de piété. Et voilà pourquoi vous verrez beaucoup de sectes aiment beaucoup s'habiller en blanc. Voilà. Donc, et derrière ça, ça cache en fait le péché, la noirceur, tout ça, les ténèbres. Voilà. Donc, on va peut-être un jour développer là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et au verset 3, il est dit, « Et quand il eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait, « Viens et vois. » Il fallait que Jean voie toutes ces choses. « Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et il fut donné à celui qui était monté dessus de pouvoir ôter la paix de la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné, une grande épée. » Donc, la mission du deuxième cavalier, c'est d'enlever la paix. Lorsque les hommes, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, lorsque les hommes diront paix, hein, que nous sommes en paix et en sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Regardez mes amis, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. Au verset 3. Quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Voilà. Donc, et quelle est, mes amis, l'organisation que les hommes ont mise en place pour qu'il y ait la paix sur terre? L'ONU. Cette organisation a envoyé un contingent de plus de 20 000 soldats de casque bleu dans l'est de la RDC depuis des années. Pourtant, il y a toujours les guerres, il y a toujours les conflits. Donc c'est pour vous montrer que tout ça, c'est de la fumée, n'est-ce pas? Tout ça, c'est du charabia, ce sont des histoires. Et voilà. Donc, que Dieu nous garde en tout cas. Donc, on apprend que le deuxième cavalier avait la mission, mes amis, d'enlever la paix hein, de la terre, c'est-à-dire d'amener la guerre. Voilà. La guerre. Là où il n'y a pas de paix, il y a la guerre. Hein, là où il n'y a pas la paix, donc il y a la guerre, il y a le trouble. Le contraire de la paix, c'est le trouble. Voilà. Les angoisses, les soucis. Les problèmes. Et quand, mes amis, on regarde depuis que, mes amis, cette prophétie a été libérée, c'est-à-dire nous sommes dans les années 95 ici, après Jésus-Christ. Jean était un vieillard sur l'île de Patmos, il avait à peu près 80 ans. Et quand on regarde de cette période à nos jours, mes amis, le nombre des conflits qui ont frappé notre monde, la terre, et légion, ces conflits sont, mes amis, multiples. N'est-ce pas? Et vous savez également que le monde a connu deux grands conflits majeurs, les deux premières guerres mondiales. Et il y a une troisième qui arrive, l'Armageddon, selon les Écritures. Et la première guerre mondiale, selon les estimations, a fait près de 65 millions de morts. D'accord? C'est énorme. Près de 65 millions de morts. Cette guerre, la première guerre mondiale, a débuté en 1914 pour s'achever en 1919, à peu près. Donc, vous voyez, frère, il y a eu près de 65 millions de morts. Et puis, la deuxième guerre mondiale, 39-44,
il y a eu près de 72 millions de morts. C'est le conflit qui a, n'est-ce pas, causé le plus de dégâts, le plus de victimes, la Deuxième Guerre mondiale. 72 millions de morts. C'est impressionnant. Et vous savez, actuellement, de notre génération, savez-vous le conflit, connaissez-vous le conflit qui a causé le plus de victimes, qui a occasionné le plus de dégâts? Et beaucoup ne le savent pas, et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, parce que les médias n'en parlent pas. Eh bien, c'est la guerre qui a lieu, n'est-ce pas, dans l'est de la RDC. Dans l'est de la RDC. Mes amis, cette guerre fait des dégâts terribles. Depuis 1998, cette guerre a été déclenchée, n'est-ce pas? Cette guerre a fait plus de 6 millions de morts. C'est le troisième conflit majeur, mes amis, que le monde ait connu et qui a occasionné autant de victimes. Et on n'en parle pas. Et quand je suis tombé sur un article qui parle de ça, j'ai été outré. Comment cela est-il possible? Autant de morts, mes amis, dans notre génération, à nous, avec une organisation pour amener la paix sur Terre, soi-disant, l'ONU. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Plus de 6 millions de morts. Rien que dans l'est de la RDC. Parce que bien évidemment, regardez la suite logique des autres sceaux, hein, des autres cavaliers. Et hein, on parle de la mort, donc il y a la famine, troisième cavalier, parce que une guerre occasionne forcément la famine. Voilà, donc occasionne quoi? Des maladies, des troubles. Vous voyez, frères et sœurs, c'est impressionnant. Donc on va vraiment beaucoup plus s'attarder sur le deuxième cavalier et le troisième cavalier, c'est-à-dire la guerre ou les guerres et la famine. Voilà, c'est terrible les conflits ethniques qu'il y a actuellement. Les organisations, mes amis, les sociétés qui fabriquent les armes sont légion aujourd'hui et ça produit, ça rapporte des milliards et des milliards. Et des milliards, des millions de vies sont malheureusement décimées, sont détruites, des foyers brisés à cause de l'avidité de l'homme. Que Dieu nous garde. Donc, le deuxième cavalier, mes amis, justement, est celui qui va provoquer, n'est-ce pas, qui va être à la base de toutes les guerres, n'est-ce pas? Et comme vous l'avez appris, et donc la Première Guerre mondiale a causé près de 65 millions de morts. Et ça, c'est l'estimation la plus haute et la plus importante. Et voilà. Et la Deuxième Guerre mondiale a causé près de 72 millions de morts, des victimes, mes amis. C'est quand même impressionnant. Et il y a des guerres actuellement au moment où je vous parle. Comme vous le savez, il y a des guerres dans le monde. Il y a des guerres, il y a des conflits entre Israël et la Palestine. Il y a des conflits entre la Russie actuellement et l'Ukraine. Il y a beaucoup de victimes, beaucoup de morts, hein, aux portes de l'Europe. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y a des conflits en Amazonie avec les FARC et tout ça. Et il y a des conflits presque dans beaucoup de pays africains. Et il y a des conflits en Syrie actuellement, donc là, une guerre en Syrie. Et vous voyez, la terre est sur une poudrière. Pourquoi? Parce que, eh bien, justement, le deuxième cavalier, c'est-à-dire la guerre, est en train de travailler. Le cheval roux, c'est la guerre. Et vous savez que, mes amis, la Russie possède près de 16 millions d'ogives, 16 millions de, n'est-ce pas, bombes atomiques. 16 000 ogives, 16 000 bombes atomiques. Et rien qu'avec ces 16 000 bombes atomiques-là, juste avec ça, là, mes amis, la Russie peut pulvériser presque toute la Terre, toutes les nations. C'est impressionnant. Et les États-Unis, 9 000 bombes atomiques. La Russie, 16 000 bombes. Les États-Unis, 9 000, n'est-ce pas? Et la France, près de 300. L'Angleterre, près de 250. Voyez? La Chine, près de 300. L'Inde, entre 40 et 50. Le Pakistan, entre 50 et 60. Voyez? Et Israël,
Bien sûr, et également, Israël est aussi une puissance nucléaire. On ne sait pas combien d'ogives cette nation possède. Et l'Iran, pour votre information, l'Iran, beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai eu une vision pendant que je dormais il y a quelques mois où Dieu me disait que l'Iran a déjà la bombe atomique. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et c'est terrible. Donc, vous voyez que s'il y a une guerre, on a vu que les scientifiques ont fait un article il n'y a pas longtemps disant que dans l'horloge nucléaire et apocalyptique, il est 23h57, minuit moins 3. Si les gouvernements ne réduisent pas leur stock nucléaire, eh ben la Terre est vouée à la destruction totale. Et on y est, chrétien. On y est. Alors, au lieu que qu'on vous parle de la dîme, des offrandes, tout le temps dans vos assemblées, il est temps qu'on vous annonce, qu'on vous prêche, qu'on vous enseigne, qu'on nous enseigne des choses concernant le retour du Machia, hein, parce que le monde va mal. Voilà. Donc, c'est important. Alors, on va vous montrer quelques images. Donc, les images de la famine, hein, donc que vous voyez vous-même, mes amis, comment le monde va mal, combien les gens souffrent, et que vous vous rendiez vous-même compte, hein, de la réalité des choses. Voilà, donc l'équipe technique, on peut y aller. Voilà. Voilà, donc vous voyez comment les enfants, ça encore, c'est une image qui est passable. Hein, donc on va montrer d'autres images où les gens sont complètement, mes amis, amaigris. Et voilà, c'est impressionnant de voir la souffrance, le monde dans lequel nous sommes, la famine. Voilà. Voilà comment un enfant qui est en train de boire de l'eau complètement polluée. Hein, c'est parce qu'il n'a pas le choix, voilà. Donc l'image, voilà cet autre enfant et mes amis complètement amaigri et qui, de manière désespérée, cherche à se procurer de la nourriture. Voilà le monde dans lequel nous sommes, les temps dans lequel nous sommes. C'est la famine, c'est le troisième sceau, c'est le troisième cavalier qui frappe. Le Seigneur a dit qu'il y aura de plus en plus de la famine. Et donc, ce sont des cavaliers qui sont à la base de cela. Ce sont des démons, hein, parce que ces cavaliers ne sont pas, bien sûr, les anges de Dieu. Ce sont des démons qui sont lâchés sur la terre, mes amis. Regardez des enfants ici qui sont en train de chercher de la nourriture dans les ordures, hein, dans les décharges, carrément. Ce sont des décharges, hein, donc en plein immondice, là, ils sont en train de chercher un petit bout de pain, un petit bout de viande, voilà. Alors que chez nous, chez vous, on gaspille, hein, donc de la nourriture, voilà. Et voilà ce que certaines personnes vivent, hein. Donc nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas, où on est censé être beaucoup plus évolué, beaucoup plus intelligent sur le plan scientifique, technologique, philosophique, n'est-ce pas, soi-disant. Voilà. Donc on a encore des gens qui souffrent comme ça, ben, parce que justement, ben, les esprits travaillent. Le monde va mal. Et regardez les guerres, hein, donc des cadavres partout. Voilà les réalités. Ça, nous sommes dans l'est de la RDC, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, donc des enfants qui sont massacrés. Voilà, donc voilà les réalités de ce que certaines personnes vivent. Voilà comment des cadavres sont empilés, compilés comme ça, empilés, hein, et les uns sur les autres. Et ça, je crois que ce sont Hitler, je crois, si je ne me trompe, hein. Voilà, donc ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Des images complètement, mes amis, horribles, hein. Et voilà, la méchanceté humaine. Voilà, donc, voilà les dégâts que causent, mes amis, ces cavaliers qui sont lâchés, n'est-ce pas? Voilà, et... des villes complètement soufflées, détruites, rasées, n'est-ce pas, de la carte du monde. Et voilà, donc on va revoir encore quelques images, hein, de par rapport à la famine, hein, Eric. Et, merci s'il n'y a pas d'autres images là. Voilà, donc les gens, mes amis, voyez comment les gens souffrent, les gens sont
complètement désemparé. Et le monde va mal. Voilà, les cavaliers sont lâchés, comme vous le voyez. Hein, donc des signes sont là. De plus en plus, il faut que vous soyez informés de toutes ces choses. C'est important, c'est capital. Parce que celui qui n'est pas informé, mes amis, peut facilement se faire manipuler. Et l'information est aussi est importante. Or, nous parlons ce soir de la prophétie biblique concernant le retour de Yeshua. Donc, la prophétie biblique nous informe aussi. Dans la prophétie biblique, il y a l'information. Il n'y a pas seulement l'enseignement, il y a aussi l'information. L'enseignement, dans l'enseignement, il y a une partie, n'est-ce pas? Il y a une part de l'information. Voilà, donc une personne enseignée est une personne informée. Voilà, donc la connaissance, c'est ça. L'acquisition de la connaissance, c'est l'acquisition de l'information. On emmagasine de l'information. Et c'est important que vous soyez informés sur les choses à venir, sur les choses qui se passent actuellement, sur le temps dans lequel nous sommes. Voilà, et c'est important, chrétien. Voilà, donc là, c'est nous avons vu que le premier cavalier, donc le premier sceau, c'est l'Antéchrist. On n'est pas rentré dans les détails. Le deuxième cavalier, le deuxième sceau, c'est la guerre. Le troisième cavalier, c'est la famine. Et c'est ce que nous sommes en train de vous montrer, justement, ce que vous avez vu. Voilà, donc regardez-moi cette petite fille, qui peut être aussi notre fille à nous tous, hein, cet enfant. Donc, voilà, qui est complètement, mes amis, amaigri, qui est complètement... voilà, et c'est des réalités du monde hein, dans lequel nous sommes, vous et moi. Voilà, donc... c'est horrible, voilà, la famine, le troisième cavalier, et voilà, et quand il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait, viens et vois, je regardais et je vis un cheval noir, voilà, donc la famine, c'est le côté noir des choses, on garde encore les images, hein, merci, et merci, et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de quatre animaux une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et les trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. » Voilà, donc il y a une balance, c'est-à-dire voilà, donc c'est une balance bien sûr qui n'est pas forcément du Seigneur, hein. c'est l'injustice, c'est pas la balance du Seigneur, c'est pas des mesures du Seigneur, et ça ce sont des démons qui sont lâchés ici mes amis, c'est pour cela que vous avez une partie de la population mondiale qui est riche, qui s'enrichit de plus en plus, et une grande partie même qui est complètement appauvrie, qui est dans l'appauvrissement, tout ça est dans l'abandon total. Donc voilà, c'est une balance injuste, c'est une justice qui n'est pas équitable. Voilà. Et sachez que 80% de l'économie, de la richesse mondiale est détenue par 5% d'hommes. Et c'est impressionnant, 80% de l'économie mondiale, de la richesse terrestre, est détenue par 5% d'hommes. Nous sommes sur Terre, nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Alors vous calculez, hein, le 5% de 7 milliards, c'est voilà, et ce sont ce groupe d'hommes riches qui, ce groupe-là qui détient justement l'économie mondiale. Voilà. Alors que s'il y avait une balance juste, avec les richesses que nous avons, ben, on pourrait nourrir toute la population mondiale facilement. Donc, vous voyez bien que ce sont les démons qui sont derrière. Pourquoi? Parce que les hommes, justement, ne veulent pas de Dieu. Beaucoup ne veulent pas du Seigneur. Et Dieu les laisse s'auto-gérer pour qu'ils réalisent, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent rien, nous ne pouvons rien sans Dieu, mes amis. C'est terrible. Nous avons des enfants, nous avons des gens, des familles dans certains pays du monde qui n'arrivent pas à s'alimenter. Il y a des enfants dans certains pays qui, mes amis, sont obligés de manger de l'argile, de faire cuire de l'argile et de la manger. Vous vous rendez compte? Alors que vous, quand vous avez du pain chez vous, vous jetez du pain, vous jetez des pâtes, vous jetez du riz, vous jetez parce qu'il y a à manger la nourriture à provision, tout ça. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Et très peu de chrétiens pensent aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux, aux prisonniers, et très peu des pasteurs, très peu d'apôtres. D'ailleurs, beaucoup d'apôtres, même des prophètes aujourd'hui, des pasteurs, ils sont tellement, mes amis, enfermés dans leurs costumes et cravates. Ils sont tellement attachés à leur titre,
titre, président, vice-président de la fédération de dénomination de la pastorale. Tous ces pharisiens modernes, mes amis, doivent être dénoncés avec beaucoup de force. Voilà. Donc, parce que ils sont en train de nous montrer autre chose. Ça, c'est l'église de Laodicée. Demain, vendredi, en tout cas, on va développer, mon frère Willy, sur l'église de Laodicée, sur l'église apostate, là, mes amis, où on va dénoncer tous ces pharisiens modernes. Mes amis, même s'ils veulent nous intimider pour que nous nous taisions, et nous n'allons pas nous taire, justement, là, au nom de Yeshua. Au contraire, plus vous nous attaquez, plus on est requinqué, on est fortifié, on est encouragé, boosté pour pouvoir, justement, dénoncer vos œuvres, n'est-ce pas, qui sont des œuvres mortes. Avec vos associations, avec vos bishops, vos amis pasteurs, vous vous associez avec eux pour devenir plus forts, au lieu d'être des hommes et des femmes solitaires comme Élie avec le Seigneur et marcher avec les frères et sœurs qui craignent Dieu. Voilà. Donc, continuez vos associations. Dieu va tout briser bientôt au nom de Yeshua parce que la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main revient bientôt pour briser votre statue, là, que vous avez construite, là, mes amis, là. Et mes amis, soyons vraiment dans la prière parce que Yeshua revient. Au nom de Yeshua, moi, je n'ai pas la vocation d'amener les gens dans les assemblées, mais Dieu m'a dit de crier et d'amener les gens dans son royaume. Voilà. Alors, vous qui êtes attachés aux bâtiments, aux maisons, je ne sais pas quoi, à vos assemblées locales, si Dieu n'est pas là-dedans, mes amis, c'est le temps de prendre vos jambes à vos cous et de sortir de là. Si l'on vous parle de la dîme matin, midi, soir, ou même, vous savez que la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Si l'on vous parle de l'argent matin, midi, soir, s'il n'y a pas un évangile, l'évangile pur et véritable qui élève Dieu, qui glorifie Dieu, qui élève Yeshua, eh ben, c'est simple, hein, quitter ces assemblées, c'est simple. Voilà. Vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas été libéré à la croix pour aller enrichir ces hommes, n'est-ce pas, qui vous aveuglent, qui n'arrivent même pas à soutenir les veuves, les orphelins, les étrangers, les gens qui sont dans la souffrance et qui sont là pour amasser pour eux et qui sont tout le temps en costume et cravate en train de vous narguer, de se glorifier de leur, mes amis, enrichissement, de leur richesse. Il est l'heure que les chrétiens véritables ouvrent les yeux parce que Yeshua revient. Il est l'heure de sortir de la torpeur spirituelle, ce sommeil, mes amis, là. Il est l'heure de sortir de la religiosité pour pouvoir servir le Seigneur. Voilà. Moi, je ne suis pas non plus parfait, attention. Je suis en train de crier simplement. Voilà. Ce que Dieu m'a dit, il faut crier, il faut enseigner à mon peuple. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Voilà. Dieu, au moins devant Dieu, je serai quitte. Voilà. J'aurai fait ma mission. Voilà. Donc, nous ne dénonçons pas les autres églises pour construire les églises à côté, amener les gens là-dedans. C'est pas ça. Mais nous encourageons les frères et sœurs, nous encourageons les pasteurs qui aiment la vérité et qui, des apôtres, des prophètes qui établissent des assemblées ici et là pour libérer les chrétiens, pour les former et les laisser avec le Seigneur. Ceux-là, là, on les encourage. Et nous ne voulons pas encourager les gourous qui sont là pour régner sur leur bâtiment comme des maîtres et qui vont faire des enseignements pour dire, mes amis, qu'il faut pas dénoncer, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, alors il faut rien dénoncer, alors que Paul dit qu'il faut pas prendre part aux œuvres des ténèbres, hein, qui sont infructueuses, mais il faut les dénoncer. N'est-ce pas? Ces hommes qui ont dénoncé hier, aujourd'hui, ils font allégeance à l'homme impie, à la bête, à la femme d'Apocalypse 7. Ils vont maintenant, ils retournent à leur vomi et ils ne veulent plus parler. Ça, c'est votre problème. Mais je continuerai à parler, à vous dénoncer jusqu'à la fin au nom de Yeshua. Voilà. De toute façon, vous n'allez même pas m'enfermer, vous n'allez m'amener nulle part. Je crains Dieu qui, n'est-ce pas, est le seul à détruire le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui, quand on voit ces choses-là, on ne peut pas se taire. C'est pas possible. Les temps sont difficiles. Vous voyez, les signes sont là. Le retour de Yeshua, mes amis, ben, provoque toutes ces choses-là. Voilà. De plus en plus de... Et d'ailleurs, vous savez que beaucoup de nations occidentales, notamment aux États-Unis, beaucoup de scientifiques sont en train de voir quels sont, mes amis, les futurs denrées. Ils sont en train de trouver, de chercher. Ils cherchent les futurs denrées alimentaires pour pouvoir nourrir, mes amis, les 7 milliards d'individus que... compte, mes amis, la terre. Et parce que ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus, mes amis, il y a des problèmes par rapport aux denrées alimentaires, par rapport à la nourriture. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils sont en train de trouver d'autres moyens, voilà, d'autres choses pour pouvoir alimenter, nourrir les hommes. Alors, ils vont se tourner vers les insectes, tout ça, et de la nourriture avec beaucoup de chimie, beaucoup de produits chimiques, tout ça. C'est grave, en fait, c'est du poison, tout simplement. Et ça provoque tous ces cancers, comme vous le savez. On est vraiment à la faim. Voilà, on est vraiment à la faim. Alors, l'homme a tellement faim qu'il est prêt à manger n'importe quoi, à boire n'importe quoi. Voilà, voilà notre génération, frères et sœurs. Et c'est grave. Et les temps sont vraiment difficiles. Donc, voyez, les deux, le deuxième et le troisième cavalier font aussi beaucoup de dégâts, frères et sœurs. Donc, les guerres, il y en aura de plus en plus, hein, même dans les églises, hein, de guerres de plus en plus.
la guerre des chefs, tout ça. Et ça, on connaît, même les églises aujourd'hui se font la guerre, hein, les dénominations, on a même la guerre de 100 ans, la guerre de la religion, et, n'est-ce pas, catholiques et protestants. Donc, et on voit, on subit cette guerre-là. Et moi-même qui vous parle, vous savez que quand vous avez, je suis tellement combattu, et c'est pas seulement moi, mais des frères et ceux qui aiment la vérité sont combattus, traités de tout le nom. C'est une guerre, donc c'est le cavalier, là, mes amis, le deuxième cavalier qui est à la base de cela. Toutes sortes de guerres, voilà. Donc, il provoque aussi des guerres dans les cités, voyez, le terrorisme et tout ça. Et notre monde connaît, mes amis, une croissance exponentielle des troubles, des conflits entre les races, des conflits entre les peuples, des conflits entre les ethnies, entre les tribus, des conflits entre les régions, entre les pays, entre les royaumes. Le Seigneur a dit, un royaume se levera contre un royaume. Il y aura des guerres partout. Il a dit dans Matthieu 24, dans Luc chapitre 21, dans Marc chapitre 13. Voilà, et on y est, mes amis, on y est, et voilà, donc, ce sont les signes qui nous attestent que Dieu n'est plus loin. Alors, il y a notre sceau qui nous parle des étoiles qui vont tomber du ciel, donc là, il est question, bien sûr, aussi des démons qui vont tomber sur le plan spirituel, et sur le plan physique et matériel, il est question, bien sûr, des astéroïdes. Voilà, vous savez qu'il y a près de 5000 astéroïdes qui nous menacent chaque jour, et ça, très peu de gens le savent. Donc, près de 5000. On en parlera, mes amis. Et c'est des choses qui vont avoir lieu. Et il faut vraiment, 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 mes amis, s'organiser. Rester en prière. Vous me direz, frère, que faire? Eh ben, laissez-moi vous dire, vous n'allez pas trouver votre refuge dans une assemblée locale ou auprès d'un pasteur, même auprès de moi. Ne soyez pas idolâtre. Vous savez que moi, je dénonce l'idolâtrie, comme vous le savez. Je ne veux surtout pas d'idolâtre, mes amis, d'adeptes. Mais, frère, même moi-même qui vous parle, hein, c'est chacun pour soi, hein, mes amis, là, d'abord. Hein. Ah oui, je vous dis pas qu'il faut pas aider les autres, mais c'est le salut est d'abord individuel. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc si je ne suis pas sauvé, comment voulez-vous que je vous sauve? C'est pour cela que je vous dis que c'est d'abord soi-même. Donc il faut d'abord se sauver soi-même. Donc il faut chercher d'abord à être sauvé de soi-même par le Seigneur, et ensuite on peut prétendre sauver les autres. Donc c'est pour cela, mes amis, vous ne pouvez pas courir après les hommes comme des idolâtres. Arrêtons l'idolâtrie, mes amis. Allons vers Yeshua qui a dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Ou des choses peut-être à partager, par ça, Willy? Ben, tout vient d'être dit. Pour moi, je ne vois pas comment on va encore ajouter, parce que c'est le Seigneur, après avoir parlé, dira que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, alors beaucoup de jeunes ce soir, certainement, ne savaient pas qu'il y avait le conflit dans l'est de la RDC a fait plus de 6 millions de morts, n'est-ce pas, depuis 1998. Et ça continue jusqu'à ce jour. C'est impressionnant quand même. Prions beaucoup pour la RDC. Et vous savez, c'est mon pays d'origine. Et je suis français, comme vous le savez, mais d'origine congolaise. Et quand je vois cette nation qui est secouée comme ça, ça fait mal au cœur. Et nous prions que le Seigneur intervienne vraiment. Voilà, nous bénissons tout le monde, nous bénissons les autorités, que Dieu soit béni. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr, rester sans avertir, sans, mes amis, témoigner de ce que nos amis, nos familles, nos parents, nos sœurs, nos frères et sœurs vivent. Voilà. Donc, il y a des femmes qui sont violées avec des bâtons, avec des bâtons de mortier, avec voilà. Donc, c'est quand même sale, c'est horrible. Il n'y a pas de mots pour décrire ces atrocités. Et voilà. Mais on pourrait se demander, en fait, puisque Dieu est amour, pourquoi a-t-il envoyé plutôt tous ces phénomènes, la guerre, la famine, etc. D'accord. En fait, c'est pas Dieu qui les envoie. En fait, c'est simple. Le Seigneur, quand il a créé Adam et Ève, quand il nous a créé, il nous a dit clairement, hein, Adam et Ève, il faudrait surtout pas, il fallait lui obéir, il fallait pas manger ce fruit. Mmh. Voilà. Donc, la désobéissance d'Adam et Ève a engendré tout ça. Ok, d'accord. Simplement. Voilà. Donc, du coup, ben, ces esprits, ces cavaliers, ce sont des démons, veulent à tout prix détruire la terre. Mmh. Et c'est Dieu, justement, qui les freine. Okay. Donc, ils ont des limites à ne pas franchir. Okay. Et aussi parce que l'Église est là. Et quand l'Église va partir, ça va être encore plus chaud. Ça va être encore plus dangereux, plus terrible. Voilà, c'est terrible. Donc, voilà. Donc, on a voulu vraiment, frères et sœurs, cette semaine. De toute façon,
Cette année, tout au long de cette année, nous allons beaucoup parler du retour de Yeshua. Et comme je vous ai dit dès le début de cette année, que nous ne voulons pas nous distraire. On n'a plus le temps, la distraction. On n'a plus le temps, il ne faut pas se focaliser sur les détracteurs, sur les gens. Les chiens aboient, la caravane passe. Ne vous arrêtez pas sur vos problèmes personnels, sur vos soucis, tout ça. Il faut vraiment comprendre que le temps est venu où l'Église doit se sanctifier, se purifier pour les noces. Voilà, pour le retour du Mashiach. Est-ce qu'on peut avoir un coup de fil, des coups de fil ce soir? Même deux ou trois coups de fil? Non, il y a un souci technique toujours. Oh, c'est dommage. En tout cas, mes amis, que le Seigneur soit béni pour votre fidélité, pour vos prières. Et voilà, par rapport à la Bible, nous avons commandé, comme vous le savez déjà, 10 000 autres exemplaires qui nous seront livrés d'ici avril, et avec une concordance cette fois-ci. Et voilà, il y a des choses qu'on a encore approfondies parce qu'on a encore travaillé l'hébreu et le grec, tout ça. Et il y aura beaucoup d'autres choses telles que l'histoire des pères de l'Église, l'histoire des conciles, pourquoi nous avons choisi le nom de Yahweh à l'Éternel et tout ça. Donc on explique tout ça. Donc la version que vous avez actuellement de la BJC compte 1288 pages, et la prochaine édition, donc la version prochaine, aura 1500 à peu près pages. Donc vous voyez, c'est énorme, 1500 pages. Donc les 10 000 exemplaires nous coûteront 91 000 euros à peu près. Voilà, 91 000 euros à peu près. Donc, il doit rester à peu près dans les 10 000 euros, quelque chose comme ça. Et le Seigneur m'a pourvu, par sa grâce, en moins de 4 mois. Il nous a donné déjà 81 000 euros, 82 000 euros, je sais plus. David n'est pas là. Et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Mais il manque 10 000 euros que Dieu va déjà d'ici là donner. Donc, c'est pas un problème. Alors, cette nouvelle Bible, vous me direz, frère, alors comment faire pour la voir? Et en tout cas, on veut cette fois-ci vraiment la distribuer à ceux et celles qui veulent, n'est-ce pas, en prendre soin. Donc c'est pas qu'on n'a pas fait ça pour la première édition, et parce que on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui prennent cette Bible ou n'importe quelle Bible, hein, et qui vont la retourner n'importe comment, qui vont l'abîmer si facilement et si rapidement. Et je me rends compte que beaucoup n'ont pas la notion, mes amis, ne réalisent pas le travail que cette révision a demandé. Et il faut que nous ayons la mentalité de l'entretien, hein, comment entretenir les choses que Dieu nous donne. C'est quand même, vous savez, les frères et sœurs qui ont travaillé, que je tiens à saluer, à encourager, ils ont travaillé dur, mes amis, l'équipe. L'équipe a travaillé dur. Et donc, on a travaillé vraiment beaucoup. On a beaucoup travaillé nuit et jour. Et si on devait être payé, mes amis, je pense que il n'y a pas de prix. Et comme vous savez, tout est gratuit. Nous ne demandons pas à ce que les gens donnent pour pouvoir l'avoir. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Mais ce que nous demandons, par contre, c'est d'être quand même sérieux, de prendre soin des choses que Dieu nous confie, de ne pas prendre cette Bible-là, la retourner n'importe comment, la tordre n'importe comment et l'abîmer si facilement. Et non, sérieux, sérieux. J'étais en Suisse, je vois une dame qui l'a prise, qui l'a retournée dans tous les... C'est pas... Voilà, ça fait mal au cœur, voilà. Donc, prenons soin des choses que Dieu nous confie. J'insiste là-dessus. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, et ceux qui pourront, voudraient la voir... Eh ben, venez au 24. Si vous êtes loin, ben, je sais pas, on va voir pour pouvoir peut-être envoyer quelques-unes via la poste, mais ça coûte cher. Hein, par exemple, envoyer une Bible comme ça par la poste, ça coûte au moins 10 euros. Donc, imaginez si on doit en envoyer une centaine. Donc, ceux qui sont, en France, en Europe, qui peuvent venir sur place, ben, ils peuvent venir sur place et puis on va leur en donner. Et sinon, on aura lors des séminaires, hein, de programmes, de séminaires, de conférences, c'est là qu'on va pouvoir en distribuer. Si tout va bien, au mois de mai, il y aura un programme à Savines-le-Temple. Et les frères et sœurs de Savines-le-Temple veulent de nouveau prendre cette salle pour un programme. Et là aussi, on pourra la distribuer, à pas de problème. Sinon, Dieu m'a mis à cœur d'organiser une journée de baptême d'eau dans un lac. Voilà.
Donc, je crois que le je sais pas quand, mais en tout cas, pendant les vacances, hein, quand est-ce qu'aura lieu les vacances d'avril là? Les vacances scolaires, c'est quand? Oui, je sais. Voilà, donc en tout cas, ce sera pendant les vacances d'avril, donc le mois prochain, une journée comme ça, toute la journée. On va vous annoncer cela comme ça. Toutes les personnes qui veulent se faire baptiser, qui veulent se convertir, qui veulent donner leur vie à Yeshua, eh ben, viendront ce jour-là. Mm-hmm. Ce sera dans un lac, soit à Viry, ou soit on vous donnera l'adresse, à Viry-Châtillon. Et je serai là moi-même avec TV de vie en direct. Et je vais baptiser. On va baptiser avec des frères et sœurs. Et on va baptiser toute la journée au nom de Yeshua. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, mes amis. Merci en tout cas pour vos prières. Que Dieu vous garde. Et comme disent les Belges, à tantôt. Voilà. On a dit Yeshua, merci.